Docteur Abdelhak Lamiri, bonjour. Bonjour. Alors, le prix du baril en chute libre, l'Algérie s'acheminerait-elle vers de sombres perspectives économiques en raison de la chute drastique du prix du pétrole qui, en quelques jours, a perdu presque 30% de sa valeur, de 50 dollars à 30 dollars. Eh oui, revoilà les chocs pétroliers, encore un, et probablement nous en aurons aussi dans le futur. Hein. Il faudrait planifier pour cela. La problématique est la suivante. Nous sommes focalisés sur un problème secondaire au lieu de se focaliser sur l'essentiel. La plupart des responsables et les citoyens sont focalisés sur comment mobiliser des ressources financières. On parle des ressources pétrolières, on parle aussi de l'informel, comment faire intégrer l'argent de l'informel dans le circuit formel, comment financer plus tard l'économie par les banques étrangères. Donc on cherche des ressources. Mais le problème de l'Algérie n'est pas là. Le problème de l'Algérie, il est tout autre. Il est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources? Quand on fait un diagnostic approfondi de la manière dont fonctionnent les entreprises et les administrations, on revient à une conclusion surprenante qui est quel que soit le volume de ressources, on ne peut pas améliorer la situation du pays ou l'amélioration sera très faible vu les méthodes managériales qui existent dans les entreprises et dans les administrations. C'est là où il nous faut une révolution. C'est là où il faut agir. Mais justement, c'est là où il faut une révolution, c'est là où il faut agir. Vu notre dépendance du pétrole, cette situation était prévisible depuis pratiquement 60 ans aujourd'hui. C'est prévisible parce que c'est un marché sur lequel on n'a aucun contrôle. Ce sont les firmes internationales, de la géopolitique et même maintenant des virus qui peuvent dérouter tout un système économique. Vous voyez maintenant les bourses s'effondrent, les économies internationales sont mal en point et donc on ne peut pas contrôler les prix internationaux malgré qu'il y a une union de pays à travers l'OPEP. Ils ne peuvent rien faire. La géopolitique fait que maintenant, avec 40% de la production, ils ne peuvent pas influer sur le marché international et surtout qu'il y a des frictions avec les Russes, les Saoudiens qui ne sont pas d'accord et le reste. Donc, ce n'est pas maîtrisable, ça. Par contre, ce que l'on peut maîtriser, c'est notre destin à nous. C'est comment faire fonctionner efficacement une économie. Et c'est là où on doit travailler. On doit mettre le plus de ressources, le plus de moyens et le plus de temps pour redresser la situation d'une manière durable. Et à ce moment-là, le pétrole sera la cerise sur le gâteau. Mais réduire et rationaliser les dépenses, est-ce que c'est suffisant pour éviter le tarissement de toutes nos ressources financières actuellement? Mais comment? Le problème est que nous avons des gouvernements qui nous ont promis de rationaliser l'utilisation des ressources depuis de longues années, comme nous avons, depuis 50 ans, on parle d'une économie diversifiée, hors hydrocarbures, compétitive, qui exporte, mais personne n'a su le faire. Personne n'a su le faire parce que les fondamentaux ne sont pas solides. Dans une économie, il y a trois étages. Il y a l'étage macroéconomique, il y a le méso entre les deux, mais c'est les fondamentaux de base qui sont les plus importants et qui sont en bas. Les fondamentaux, c'est la qualité du système éducatif, la qualité de la formation, la modernisation managériale, l'entrepreneurship. C'est là où on doit mettre le plus de ressources et le plus de moyens pour que l'économie fonctionne bien, parce qu'on peut lui donner de l'argent pour se diversifier, mais nous aurons une faible productivité et l'économie sera toujours dépendante des hydrocarbures. Donc il faut travailler là où ça va produire des effets. Et dans ce domaine-là, on fait très peu d'efforts. Mais nous sommes dans le rouge, ce choc pétrolier, un de plus, devrait être un déclic, selon vous, aujourd'hui, pour enclencher les réformes structurelles, pour libérer l'économie. Nécessairement, c'est obligatoire.
Oui, tout le monde parle au niveau macroéconomique de libérer l'économie. Non, on en parle depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Depuis 50 ans maintenant. Mais comment le faire? Et comment arriver à ce que cette économie-là soit productive, soit efficace? Regardez, un seul chiffre devrait nous faire peur. Maintenant, nous avons une cagnotte qui se réduit comme une peau de chagrin et nous sommes maintenant à 62 milliards de dollars de réserves. On était à 189. Chaque année, on perd en moyenne 20 à 25 milliards de dollars. On prend de cette cagnotte et on l'injecte dans l'économie. C'est à peu près 12% de l'économie globale que l'on injecte chaque année. Pour avoir quoi? Pour avoir une croissance de moins de 2%, moins que la croissance de la population. Ça veut dire que le problème, il est là. Il est dans le fait que nous avons une économie productive, mais dont la productivité est dérisoire. D'ailleurs, elle stagne et elle baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque année, chaque Algérien produit 0,5 de moins que ce qu'il a produit l'année passée. Dans le monde, la productivité augmente de 1,3%. Alors que dans le reste du monde, chaque citoyen produit de plus en plus. Chez nous, malgré les équipements, malgré les ressources, malgré, on produit de moins en moins. C'est là le problème. C'est ça ce qu'il faut résoudre. Parce que penser sectoriellement au niveau macroéconomique et oublier que le problème, il est microéconomique, c'est problématique et on ne peut pas aller de l'avant. Alors, mais comment faire aujourd'hui pour libérer l'économie de la dépendance des hydrocarbures et du conteneur quand nous importons tout, même dans le domaine agricole, les semences, toutes les semences sont importées. C'est clair, dans le domaine agricole, on est dépendant, comme dans le domaine de la santé, comme dans le domaine de l'industrie, c'est ce qui arrive à des économies sous-gérées, à des économies mal gérées. Il faut travailler dans deux directions très importantes et le plus rapidement possible, mettre les compétences aux standards internationaux très rapidement et avec un plan, avec des priorités, avec des dates, avec des responsabilités claires, etc. Les techniques managériales sont connues, même les ex-pays de l'Est, quand ils ont fait les premiers plans, ils ont utilisé les fameuses chartes de Gantt américains. Nous, jusqu'à présent, on veut faire des choses, mais on n'a pas mis la technicité qu'il faut et les qualifications humaines qu'il faut dans les administrations et dans les entreprises pour les rendre efficaces. Et tant qu'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir de réforme avec succès. Bien sûr qu'on a identifié certains aspects qui sont positifs, comme l'économie numérique, comme l'éducation, mais ça se gère. Et si on ne les gère pas d'une manière efficace, ça restera des paroles en l'air. Prenez un exemple. L'amélioration du système éducatif, il est au centre aussi du plan du gouvernement. Mais le problème est le suivant. Comment saura-t-on, dans une année ou deux, qu'on est en train d'améliorer le système éducatif? Nous n'avons même pas l'instrument de mesure qui mesure le niveau national, par région, pour pouvoir corriger les choses si jamais ça ne va pas. Gérer, c'est mesurer. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne mesure pas. Et donc, il faudrait moderniser d'abord les cerveaux, puis moderniser le management des institutions. Et à ce moment-là, les programmes économiques que va développer le gouvernement deviendront possibles à exécuter. Pour le moment, ce n'est pas possible d'exécuter des programmes avec une telle faiblesse managériale et une insuffisance criarde en matière de développement humain. Mais est-ce qu'on a le temps et l'argent nécessaire pour agir et agir vite face à cette situation de crise? Dans les médias, qu'est-ce qu'il faudrait déjà prendre comme première mesure? On parle de rationaliser la dépense, de réduire un peu les dépenses. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement revoir le train de vie de l'État en priorité? Oui, revoir le train de vie de l'État, réduire les dépenses, tout cela, c'est des bonnes choses. C'est mais des aspects techniques. Mais la base pour faire ceci n'existe pas. Pour faire ceci, il faut qualifier les ressources humaines à haut niveau et il faut
moderniser la manière de fonctionner des administrations et des entreprises. Comment le faire? C'est une modernisation managériale qui exige un certain nombre de choses, dont la chose la plus importante est les industries du savoir. Je vous donne un exemple. On veut moderniser les administrations pour qu'elles soient efficaces, les wilayat, les dairat, les APC, etc., pour qu'elles deviennent productives et règlent des problèmes des citoyens. Mais nous avons très peu d'entreprises spécialisées en management administratif, en stratégie de développement local. On a l'impression qu'on veut se développer sans la science. La science et la technologie exigent que l'on aura des institutions du savoir capables de faire en sorte que les administrations et les entreprises réalisent ça. Une administration ne peut pas se réformer d'elle-même. Vous ne pouvez pas dire à une wilaya « améliorez-vous » ou à une APC. Il faut former les gens, il faut mettre en place des cellules de stratégie de développement local, il faut moderniser leur management. Et ça, cette industrie du savoir, cette technologie sociale n'existe pas. Il faudrait la monter d'abord. C'est ça la priorité. La priorité, c'est mettre en place l'industrie du savoir qui va mettre en œuvre des plans d'exécution et des améliorations managériales qui vont rendre possible l'exécution des plans du gouvernement. Sinon, ça va rester lettre morte et ça ne va pas s'exécuter. Mais justement, pour exécuter ces plans du gouvernement, certains considèrent, parmi les spécialistes, qu'on se retrouve dans les mêmes schémas que ceux que nous avons vécus par le passé, durant les années 90, choc pétrolier, crise financière, fermeture des entreprises, poursuites judiciaires, compression des effectifs. Est-ce qu'il faut éviter de sombrer d'une crise politique vers une crise économique et une crise sociale ? L'une entraîne l'autre. De toute façon, il faudrait faire en sorte qu'on arrête le processus. On peut, pour le moment, régler un certain nombre de choses en utilisant peu de ressources, de ce que l'on a déjà. Mais le problème est de corriger les choses au fond. Parce que nous avons une économie qui a un cancer deuxième degré qui est guérissable, mais moyennant des chocs thérapeutiques importants, on est en train de lui donner une ordonnance de grippe et ça ne colle pas. Ce qui colle, c'est la véritable thérapie. Et lorsqu'on aura la véritable thérapie, à ce moment-là, on va faire un plan de diversification économique, on sera indépendant des hydrocarbures. Mais pour le moment, tant que nous aurons au niveau administratif et au niveau des entreprises des insuffisances criardes, mais il faut savoir, les spécialistes en management peuvent vous dire, nous avons au moins 50 ans de retard sur les autres pays en termes managériels. Il faudrait rattraper ce retard pour pouvoir aller de l'avant et produire les institutions qu'il faut pour nous développer. Mais certains considèrent aussi que le peu de tissu productif existant, il faut le préserver, ne pas le déstructurer. Alors que là, certains considèrent qu'il y a des indicateurs de déstructuration du tissu productif existant. Oui, parce que je vous ai dit, à un certain moment, on a pensé à ce que l'on appelle la mise à niveau, c'est-à-dire rehausser le niveau des entreprises au niveau des standards internationaux par de meilleures stratégies, meilleure organisation, meilleure gestion des ressources humaines, meilleur développement. Mais le programme a été arrêté, maintenant on parle plus de mise à niveau. Et donc le fait que ces entreprises-là soient laissées avec des retards de plusieurs décennies en termes managériels par rapport à la compétition internationale, bien sûr nous avons une centaine d'entreprises qui sont efficaces et qui sont bien, ce qui prouve que si on gère correctement ces entreprises-là algériennes, elles vont faire des bons en avant extraordinaires. Mais la manière dont on est en train de les gérer maintenant fait que ces entreprises-là vont sombrer, et plus la macroéconomie sera sombre,
plus leur avenir aussi se rassemble. Alors, docteur Abdelhak Lamiri, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Nous avons vu aujourd'hui que nous sommes face à une situation de choc pétrolier, comme l'indiquent tous les experts économiques, également vous ce matin, docteur Lamiri. Est-ce qu'on peut considérer que les indicateurs d'une crise sociale sont perceptibles aujourd'hui avec la fermeture des usines l'une après l'autre? Nous avons dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine électronique, dans le domaine mécanique, dans le domaine de l'automobile. Est-ce que c'est perceptible aujourd'hui? Oui. Même dans les médias? Oui, c'est perceptible dans les chiffres aussi. En 2012-2013, on affichait des taux de croissance économique de 5 à 6%. Maintenant, la croissance économique est tombée à 2, 1,8%. Le taux de chômage qui était arrivé à 9%, il est à 11,7%. Donc les chiffres déjà montrent qu'il y a une détérioration. Et ça, ça a des impacts sociaux. Le chômage étant le fléau le plus important que puisse connaître un être humain, il faudrait mettre en place des politiques pour l'éradiquer, parce qu'un chômeur, il a des problèmes psychologiques et puis il cause des problèmes à la société. On sait que le chômage, c'est à cause de ça qu'il y a, des vols, qu'il y a des crimes, qu'il y a des problèmes sociaux importants. Et plus l'économie tarde à se remettre sur rail, et plus les problèmes sociaux vont se gonfler, déborder, devenir ingérables. Donc autant arrêter la crise le plus rapidement possible. Alors, mais certains considèrent qu'on a toujours un peu régulé et géré notre économie en essayant de limiter ou de réduire les importations. Est-ce que c'est la solution? Réduire les importations, c'est... on peut réduire un tout petit peu, mais pas énormément. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter parce qu'il y aura des pénuries en termes de consommation et surtout pour les entreprises. Les entreprises ont aussi des matières premières, des pièces détachées, sinon tout l'appareil de production va s'arrêter. Et donc il faudrait importer un minimum, mais améliorer le processus de financement de nouvelles entreprises et créer aussi des fonds d'investissement pour développer les bonnes entreprises et faire en sorte que la situation s'améliore par le biais d'un nouveau ministère pour créer de nouvelles entreprises. Ça, c'est une bonne chose. Il va y avoir une banque, mais ça sera insuffisant. Il faut arriver à créer 4 fois plus d'entreprises que l'on a. Parce que le problème, il se situe où dans notre pays? Il se situe dans le fait que nous avons à peu près 1 500 000 entreprises. Un pays comme l'Algérie doit avoir 3 millions ou plus d'entreprises. Donc on a un système de production atrophié. Et on n'en crée pas beaucoup. On crée à peu près 70 entreprises par 100 000 habitants. Les pays comme le nôtre en créent à peu près 350. Donc il faut créer 4 fois plus d'entreprises. Il faut que le système financier aille vers la création d'entreprises. Et donc pour cela, il faut les industries du savoir dont on a parlé tout à l'heure. Il faut des industries qui créent des incubateurs, des pépinières, des accélérateurs, des banques de financement, des entreprises de gestion, des start-up, etc. Il faut créer cet écosystème-là qui va développer l'économie, qui va développer le nombre d'entreprises et l'amener à 3 millions, 3 millions et demi pour pouvoir juguler la crise. Mais les start-up, c'est des prestataires de services pour les grandes entreprises. Il ne faut pas déstructurer les grandes entreprises au profit des start-up qui sont totalement naissantes actuellement. Oui, mais les grosses entreprises aussi, si elles sont dynamiques, si elles ont besoin de recherche et développement, si elles développent la recherche et développement, les start-up se font maintenant dans le monde. Surtout à l'intérieur des grandes entreprises. Il y a des start-up externes qui se font par les jeunes, par les opérateurs économiques. Il y a des start-up qui sont créées par les entreprises elles-mêmes. Et le processus d'innovation vient de là, surtout. Donc il y a l'interne et l'externe. Mais il faudrait que le nombre soit suffisant. On peut créer 100, 200 start-up par année, c'est pas énorme. Mais l'essentiel, c'est de créer. Nous, on avait besoin de start-up et on a besoin de créer aussi des entreprises traditionnelles, des entreprises qui produisent du lait, du blé, dont on a besoin pour réduire les importations. J'ai entendu dire que
On est en train d'appeler les Saoudiens pour venir nous produire du lait, mais on sait le produire nous-mêmes. Il y a des privés capables de le faire. On veut encore avoir des investissements qui n'ont aucune qui ne ramènent aucune technologie et qui vont avoir des devises à exporter par la suite, alors qu'on a évité ça dans le passé lorsqu'ils venaient ici investir dans l'immobilier. Donc on est retombé sur la même problématique et la même erreur qu'il y a quelques années. Mais justement, réformer le système bancaire, il faut l'orienter un peu vers le financement de l'économie, non pas le financement de l'importation, comme ce fut le cas pendant ces dernières années, où on a tout importé, les chips, caramels, les cure-dents, et avec de la devise. Oui, ça peut être décidé très rapidement au niveau du ministère du Commerce. Et en second lieu, nous aurons aussi besoin des sociétés spécialisées en conseil en direction des banques, en dehors des banques, pour moderniser ces banques-là. Nous aurons des banques modernes, avec des cartes bancaires modernes, avec des crédits modernisés pour aller vers les bonnes entreprises. Et nous aurons besoin des entreprises de conseil aussi pour créer les bonnes entreprises. Et on a cette industrie du savoir-là qui nous manque et qui doit être financée et érigée pour que notre plan, le plan du gouvernement, devienne réalisable. Pour le moment, il n'est pas réalisable. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la base, on n'a pas l'industrie du savoir qu'il faut pour le réaliser. Quand on dit à l'administration, modernisez-vous, améliorez-vous, ça ne se passera jamais. Il faut qu'il y ait des sociétés spécialisées en administration des administrations, hein, comme disent les Canadiens, et qui vont moderniser les processus managériaux, et à ce moment-là, la commune va devenir une petite entreprise qui va produire, qui va développer, créer de la richesse, construire des logements et régler ses propres problèmes. Est-ce qu'il aurait fallu prendre toutes ces mesures en 2014 avec le premier choc pétrolier, puisque pour 2019, certains opérateurs considèrent que ce fut une année blanche, mais c'est une conséquence de ce qui s'est produit en 2014. Oui, on a pris quelques bonnes mesures, mais des mesures essentielles, on ne les a pas prises. Bonne mesure, c'est par exemple, on a arrêté le fameux plan du président de la République de 380 milliards de dollars. On devait construire les lignes de chemin de fer sur les hauts plateaux, etc. Si on avait fait ça, on serait à zéro réserve maintenant et on aurait le chaos comme le Venezuela. Ça, c'était une bonne décision. Mais on n'a pas fait la suite. On n'a pas développé les fondamentaux, on n'a pas investi, et surtout qu'on avait une bonne cagnotte là-bas. Si on avait investi 50 à 60 milliards de dollars pour développer les cerveaux humains, et si on avait mis en place par la suite 50 milliards pour développer les capacités managériales et l'industrie du savoir, eh bien on serait sorti maintenant de la crise. On aurait des taux de croissance de 9 à 10%, et on aurait un taux de chômage de 2 à 3%. On n'a pas fait ça. Et j'espère qu'on ne va pas répéter cette erreur. Nous avons une loi de finances qui va venir. Complémentaire qui va venir dans quelques mois. Dans une année, nous allons auditer ce programme de gouvernement pour l'améliorer. Et j'espère que de grands correctifs seront apportés. Parce que si on en reste là, on aura une autre désillusion. Alors, l'indépendance alimentaire, comment faire ? L'indépendance alimentaire, il faut créer des... On arrête le conteneur, on ne mange plus. Oui, oui, il faut créer des industries du savoir dont on a besoin, des sociétés spécialisées en semences qui vont nous créer des semences spécifiques à nos sols. On les avait, on les a perdues. Monter des entreprises agricoles, faire des partenariats lourds avec transfert de savoir-faire pour pouvoir produire ce que l'on importe, comme le lait, le blé, etc. Donc il faut financer, et en même temps, les entreprises qui vont produire, et en même temps, l'industrie du savoir qui va aider ces entreprises à réussir. Parce que si on fait uniquement l'un sans l'autre, il n'y aura pas de réussite. Et donc il faut investir dans des entreprises productives et dans l'industrie du savoir qui va les aider pour la réussite. Il faut donner aussi des indicateurs positifs par rapport à la situation pour booster et ramener aussi les investisseurs étrangers. Oui, pour le apaiser moment... Apaiser la situation actuelle. Oui, pour le moment, ils sont dans l'expectative, parce qu'il y a des élections qui vont se faire, est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente
entre la population et ce qui se passe maintenant au niveau du gouvernement? Est-ce qu'on va vers une situation où on va gérer la situation politique ensemble comme l'ont fait nos amis soudanais? Ils ont réussi à initier un processus qui n'est pas mauvais. Et donc les observateurs étrangers sont en train de nous observer dans cette situation-là. Si on réussit à régler cet aspect-là, et en améliorant aussi le climat des affaires, qui nécessite un management spécifique aussi, on aura vers plus d'investissements. Mais pour le moment, il ne faut pas beaucoup y compter là-dessus. Mais avec toutes les affaires judiciaires qui sont engagées actuellement et des poursuites lancées contre certains opérateurs économiques, qu'ils soient privés ou publics, toutes les entreprises aujourd'hui, sans distinction, sont concernées. Est-ce que ça pourrait aussi un peu perturber la sphère économique? Ça perturbe. Il faut donner des signaux positifs. Ça perturbe déjà, et bien sûr que ça perturbe. Vous avez des énormément. Responsables qui ne veulent plus signer au niveau des banques, au niveau des institutions financières, oui. Au niveau des entreprises, qui ne veulent prendre aucun engagement. Et il y a deux ou trois aspects de cette question-là. Le premier aspect, c'est qu'il faut différencier entre les personnes concernées et les entreprises. Il ne faut pas faire la même erreur qu'on a faite avec Khalifa, où on a détruit les équipements de production qui auraient pu servir pour le développement du pays. Certains considèrent que même les administrateurs judiciaires qui ont été déployés au niveau de ces entreprises agissent comme des liquidateurs. Oui. Donc, la ressource humaine est à séparer de l'entreprise. Deuxièmement, il faudrait trouver quelque part un consensus pour un nouveau départ. Pourquoi? Parce que comment on va faire si on va aller vers ce processus-là? Il y aura des millions et des millions d'Algériens qui seront interpellés. Ça va du PDG qui a signé un chèque qu'il ne devrait pas, qui s'est octroyé un local ou qui s'est octroyé un marché à son cousin, son voisin, jusqu'au travailleur qui a pris un pot de peinture. Où est-ce qu'on va s'arrêter? Où est-ce qu'on va faire cette ligne-là? Et c'est pour cela qu'il faut trouver un consensus pour aller vers un nouveau départ. Et à ce moment-là, la troisième règle serait restituer les ressources. C'est ça le plus important. Vous êtes un PDG, vous avez pris, tout le monde a pris, mais notre priorité, c'est que vous restituiez au trésor public, au peuple algérien, ses droits. Même principe pour les grands chefs d'entreprise. Même pour tout le monde. Et si vous restituez à ce moment-là, on sera très flexible avec vous. Et puis, il y aura un nouveau départ, et à ce moment-là, donnez le message que pour maintenant, ça va être très sévère, et les gens qui vont verser dans les malversations seront punis très sévèrement. Mais il faut gérer la situation passée avec tact. Et l'essentiel, c'est de restituer les biens. Le peuple algérien veut avoir son argent, c'est tout. Alors, il va falloir commencer à travailler, à se retrousser les manches pour essayer de redresser la situation, ne plus rester comme on l'a été par le passé, dépendant de l'extérieur. On part sur l'aspect alimentaire. Si on bloque les conteneurs, on ne pourra pas subvenir à nos besoins nécessaires aujourd'hui. Alimentaire. Et vous avez ce dicton de l'auditeur qui me dit « La khayra fi qawmin ya'koulou ma la yazra wa yalbasou ma la yumsich ». Bien sûr. Pour le moment, on ne peut pas, bien sûr, sur les 2, 3, 4, 5, 6 mois prochains, mais sur 2, 3 ans, on peut le faire, mais à condition d'aller dans la bonne direction. Comme je l'ai dit, donner des crédits aux bonnes entreprises algériennes, aux bons entrepreneurs pour investir dans ces secteurs-là, les faire accompagner par les industries du savoir, donner surtout des crédits aux jeunes ingénieurs algériens, agronomes, vétérinaires, etc., pour créer ce tissu d'entreprise, les faire assister par des entreprises d'expertise, pour ne pas se tromper en matière managériale, et fixer des échéances, des dates, parce que quand on n'a pas d'échéance, la situation va perdurer. Quand est-ce qu'on va aller vers cette indépendance alimentaire? Dans 2 ans, 3 ans, quelles sont les mesures qu'ils peuvent? Ça, c'est la même chose que l'éducation. Comment mesurer que je suis en train de m'améliorer dans 1 année, dans 2 ans? On a des indicateurs internationaux, mais on ne les utilise pas. C'est ça la problématique du pays. C'est qu'on a un management de classe mondiale qui s'est développé dans la plupart des pays émergents, qu'on n'utilise pas.
on reste en retard de plus de 50 ans en termes managériaux. Et si vous êtes en retard de 50 ans, vous ne pouvez pas avoir une économie qui se développe avec 50 ans de retard. On a les compétences nécessaires pour surmonter cette crise dans l'immédiat. On a une base sur laquelle, avec des recyclages, on peut avoir des compétences. En une année, deux ans, on peut améliorer les compétences que l'on a pour les booster au niveau international. Oui, avec les réserves que nous avons actuellement, est-ce qu'on peut tenir encore deux ans? On peut tenir deux ans, mais le problème, c'est après. Après les deux ans, on peut même tenir trois ans si on fait suffisamment d'efforts en termes de limitation des importations. Mais après, donc le problème n'est pas un problème de ressources, parce qu'on peut avoir encore des ressources pour financer le développement. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Si on reste avec les mêmes méthodes managériales, les mêmes méthodes administratives, on ne réussira pas, même si on va avoir 200 milliards de dollars d'autres réserves. Alors aujourd'hui, on parle de révision ou de revoir le train de vie de l'État, c'est impératif pour diminuer un peu des dépenses superflues et éviter le gaspillage. Les subventions, c'est un dossier sur lequel il faut impérativement se pencher. Oui, voilà un problème qu'on n'arrive pas à régler depuis 20 ans. Voilà un problème qui vous situe. Pourquoi on ne fait pas des efforts? Pourquoi on ne sort pas de la crise? Ça fait maintenant 6 ans que l'on parle de cibler les dépenses publiques. Et on aurait dû avoir ce système d'information-là pour les cibler. Ça fait 6 ans, on ne sait pas maintenant quand est-ce qu'on aura ce système d'information qui va nous permettre d'économiser de 10 à 12 milliards de dollars par année. Avec ça, les gens aussi se trompent sur le financement non conventionnel. Parce que le financement non conventionnel, c'est comme du café. Si vous prenez un ou deux cafés par jour, c'est bénéfique pour vous. Si vous en prenez 10 ou 20, c'est très mauvais, ça va causer des problèmes de santé, de cœur, de tension, etc. Et donc, on peut financer 3 milliards sans problème et il n'y aura aucune inflation. Ça, les calculs techniques, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais avec ces ressources-là, on pourrait mobiliser beaucoup d'argent pour financer et l'économie du savoir qu'il nous faut et une diversification de l'industrie. Alors, mais rester comme ça, c'est très problématique. Alors, certains disent aujourd'hui qu'on s'inscrit dans l'économie du marché avec une vision socialisante. C'est le cas actuellement? Oui, lorsqu'on subventionne pour tout le monde, et c'est les mêmes prix pour tout le monde. Le riche et le pauvre. Et la politique de logement n'a pas aussi établi des priorités. On ne sait pas l'horizon d'équilibre. Oui, on est encore avec une culture socialisante. On finance encore des entreprises publiques déstructurées alors qu'on aurait dû les mettre en faillite, mais en préservant les emplois et l'outil de production, on sait comment le faire, mais pour le moment, on n'a pas cette technologie soft managériale qui nous permet d'aller vers ces directions-là. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, vous dites qu'on n'a pas le savoir-faire et en même temps, vous vous opposez. Est-ce qu'on ramène des étrangers pour produire? Ne croyez-vous pas qu'il faille passer par là pour acquérir ce savoir? On a parlé du transfert. La technologie, on ne l'a jamais obtenu, c'est le transfert. Oui, parce qu'on n'est pas préparé pour l'avoir. Regardez. Ils ne vous donneront pas ce qu'ils détiennent, qu'ils pourraient vous vendre aussi. Sauf si vous êtes intelligent et perspicace. Regardez par exemple les pays qui ont construit des autoroutes comme nous, le Chili, Maroc, etc. Ils ont exigé que les 100 derniers kilomètres doivent être faits par les entreprises locales. Nous, c'est-à-dire un transfert de... Nous, on a c'était construit... C'était clé en main et on devait construire une autre dans les hauts plateaux, toujours avec l'international. Donc il faut être organisé pour rapatrier cette technologie. Vous êtes optimiste pour les prochains jours? Je serai optimiste si on change de position, si on change de priorité, si on dit on va chercher un peu les financements, mais surtout, on va développer les cerveaux humains et on va moderniser la manière de fonctionner des administrations et des entreprises. Et on sait le faire. Et on crée les industries du savoir pour le faire. Mais le transfert aujourd'hui, on diabolise les transferts, alors que c'était perceptible. En 2008, vous avez parlé déjà de 7 milliards de dollars qui étaient transférés par et les entreprises de la téléphonie. Et on allait vers 40 milliards si on avait accepté les investissements dans l'immobilier des pays du Golfe. Mais on a évité ça. On a évité ça. Avec les importations. Oui,
on a évité ça et il faudrait créer des industries et des fermes agricoles pour faire en sorte que l'on produise ici. Et on peut le faire avec les industries du savoir si on sait les financer. Docteur Abdelhak Lamiri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. De rien, ça a été un plaisir.